Nangs Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nangs Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous. Et si vous voulez soutenir la chaîne sur PayPal, notre email se trouve dans la description. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous dire la vérité sur certaines choses qui se passent. On a besoin que Dieu nous éclaire vraiment sur ce genre d'histoire. Parfois, je ne comprends plus les êtres humains, je ne les comprends plus. Je ne sais plus ce qui se passe en clair dans les têtes. C'est pourquoi je vais vous poser cette question. Dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce qu'il existe de la sorcellerie positive? Est-ce que la sorcellerie positive, là, c'est réel? Ou encore, est-ce que la magie, c'est fait pour aider quelqu'un? Autrement dit, est-ce qu'on peut utiliser des forces occultes pour pouvoir faire le bien? Parfois, il y a des gens qui vont même jouer des marabouts, des féticheurs, des dozos pour avoir certaines bagues de protection. Et ces gens se disent que ça va les protéger contre toutes sortes de problèmes. Comme quoi? Comme les accidents, toutes sortes d'accidents. Et accidents de l'avion maintenant, comment ça se passe? Et c'est même une chose vraiment terrible à laquelle on assiste tout le temps. Vraiment, on se pose tout le temps des questions. Mais je vais carrément vous dire la vérité, mes frères et sœurs. Nous allons vous dire la vérité pour que tout soit clair dans votre tête. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que nous ne pouvons servir deux maîtres. Nous ne pouvons servir deux maîtres. C'est-à-dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu ne peux pas adorer deux dieux. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire semblant d'aller à l'église le matin et la nuit entrer dans les bois sacrés pour adorer des statues ou bien des bois. Ou bien aller dans un endroit hors du commun pour adorer les rivières ou bien des lacs. C'est de ça Dieu est en train de nous parler. C'est de ça que Dieu est en train de nous parler. Mais le plus grave même de cette histoire, c'est que ces choses-là viennent à nous. Ces choses-là viennent à nous et surtout à nos enfants. Là, vous allez le comprendre. J'ai vu beaucoup de dessins animés quand j'étais petit. En général, tous ces dessins animés parlaient de la violence. On voyait tout le temps les gens se bagarrer. Ouh, oh, Capitaine Bicès, ouh, se bagarre contre quelqu'un. Ou on voit Tom et Jerry qui poursuit quelqu'un là-bas. Tom et Jerry, les deux se poursuivent, c'est la bagarre. Et les gens ont commencé à introduire maintenant des choses d'ordre spirituel, des choses occultes. Et c'est là que ça a commencé avec les cartes. Les cartes de Yu-Gi-Oh! Et on lance des cartes ici. Là, les dessins animés de magie sont venus. Vous voyez la magie ici. La magie par là, le pouvoir. Et à un moment donné, les gens commencent à parler de sirènes. C'est les dessins animés. Les petites sirènes. Ah, vous voyez, on présente des dessins animés. On voit des sirènes comme ça. Ah, nous, on n'avait jamais entendu parler de sirènes. Ce sont les dessins animés qui nous ont informé que les sirènes existent. Et fallait nous pointer de regarder ça. Et nos petites sœurs, elles toutes voulaient ressembler aux sirènes. Genre, cette femme avec la queue de poisson. Cette très belle femme aux longs cheveux. Cette femme maquillée avec des rouges à lèvres passées par là. Toutes les filles du quartier, toutes les filles voulaient ressembler à la fille, les enfants, tout le monde. Au point où les enfants demandaient à leurs parents maintenant d'acheter les petites poupées, les poupées sirènes, les poupées Barbie, les poupées comme ceci, les poupées par là. Voilà, le diable a commencé son travail. Et son travail consiste à amener les gens à aimer ces choses, à aimer les choses qui vont même attirer la malédiction de Dieu sur eux. Parce que Dieu ne peut pas accepter ça.
tu vas chez le marabout, tu prends les bagues magiques des Canaries, tu viens chez toi et tu vas prier à l'église. Non, je te dis, Dieu ne peut pas accepter ça. Tu vas regarder des films où tu vois des petites sirènes, tu vois des trucs bizarres et toi, ça te plaît. Dieu ne peut pas te suivre dans ça. Parce que derrière ça, il y a des gens qui savent en clair ce qu'ils sont en train de faire et qui cherchent à détruire les âmes des gens. On va dire corrompre les âmes, là c'est mieux. C'est-à-dire détourner les bonnes âmes, les âmes pures, détourner les âmes pures là, du bon chemin, du chemin de Dieu. Ha! Là, vous allez comprendre. Quand ça s'est passé ainsi, les gens pensaient que c'était de la plaque. Mais quand le dessin animé de Dragon Ball Z est venu, les gens ont commencé à comprendre un peu. Mais ils se sont dit encore que là, ça ce n'est rien. Dans Dragon Ball Z, on parle d'un dragon. Un dragon qui vient, qui a le pouvoir. Et c'est pas même très long. Ah! Et les gens vont adorer le serpent parce qu'on dit que le serpent a le super pouvoir. Il peut même ramener à la vie ceux qui sont morts. Et les choses se passent comme ça. Et dans les dessins animés, c'est la bagarre, la foule, la violence. Tout le temps, la violence. Et c'est intensifié. Oui, c'est intensifié. Quand nous avons maintenant reçu les dessins animés de Naruto. Dans les dessins animés de Naruto, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait un petit. On dit que le petit, il a quoi? Il est possédé. Il est possédé par un démon très puissant. Et on nous dit même que sans le démon en lui, il ne peut pas vivre. C'est-à-dire que le jour où quelqu'un a venu faire la délivrance du petit là, chasser le démon là, lui il va en même temps. J'en peux dire que le pacte avec le démon c'est à vie quoi. Et nous, on regardait ça. Moi en tout cas, j'ai regardé ça. J'ai un ami de classe, même étant en terminale, le gars il aimait tellement Naruto. C'est à cause de lui-même que j'ai commencé à regarder et à comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur. Parce qu'il me parlait des évocations, il faisait comme ça. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Comme il parlait ici, il parlait des gens, il parlait des trucs. Ils ont tellement bien fait le dessin animé. Faut même. Si vous ne faites pas attention, vous allez ça d'une manière. Le pouvoir, ouh, la magie, les gens se battent, les gens se bagarrent. Et nous, on regardait ça. À un moment donné, là, tu as envie de devenir comme eux, tu as envie de faire comme eux. Le sentiment naît en toi, c'est comme ça. Et c'est là où on dit que le diable est en train de maintenant de séduire, oui, de séduire. Avec des trucs de démons. Qu'est-ce qu'on nous dit de la parole de Dieu? De la parole de Dieu, on nous dit que l'esprit qui est sur ce monde que dans les derniers temps, c'est un abandonné la foi pour s'attacher à l'esprit séducteur et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. Hey, Jesus! Nous tous, on était dans ça. On me voit de regarder ça. Je regarde où? Jusqu'à aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis, mais waouh, le diable est fort quand même. C'est-à-dire, le diable et ses démons ont inventé de belles choses pour vous séduire. Regardez un peu quand on va chez le féticheur. Moi, j'ai fait de mes yeux. Il y a un doudou qui est en train de faire ses démonstrations de pouvoir. Il prend une bague, il met ça dans votre doigt. Et il prend un couteau, il essaie de vous couper avec ça. Ça n'entre pas. J'ai vu de mes propres yeux. Il a fait des tests, il a pris un fruit, une banane, il a coupé la banane, le couteau est tranchant. Mais quand il prend sa bague, il met ça dans votre doigt et qu'il vous coupe, ça marche, ça ne vous coupe, ça ne vous fait rien. C'est comme si c'était en train de vous chatouiller. Comme quoi, on va dire que le diable a des pouvoirs qui peuvent vraiment vous impressionner. Mais ne vous laissez pas séduire, parce que c'est le séducteur. C'est vrai. On n'a pas dit que le diable c'est un plaisantin. Il a aussi des pouvoirs. On dit que c'est un ange déchu. Un ange qui est tombé. Il est tombé du ciel là même. Il est même tombé ici. Ah! Qui l'a vu tomber? Tu l'as vu? Mon frère, tu l'as vu? C'est la parole de Dieu qui nous parle de ça. Et nous pouvons juste voir combien de fois le mal s'amplifie sur la terre. Combien de fois
Les gens font beaucoup de mal, beaucoup de personnes font des crimes. Même au Nigeria, les gens ont tiré sur les manifestants n'importe comment. Il y a des morts. Les gens se sont dit, mais ah, notre gouvernement, comment c'est possible? Vous allez parler jusqu'à... Ces gens-là ne font que mentir, ils ne vont jamais reconnaître qu'ils ont fait les crimes. Mais Dieu va les gérer le moment venu. Parce que Dieu n'est jamais pressé. Donc la magie, mes frères et sœurs, ne pensez pas que la magie soit une bonne chose. Parce que le magicien a une baguette. Et vous ne savez pas d'où vient sa baguette magique. D'où vient la baguette magique du magicien que vous voyez tout en dessin animé? D'où lui vient sa baguette magique? Il y a un ex-sataniste ici, c'est un témoin puissant qui a dit que pour pouvoir faire la baguette magique du magicien, il faut tuer. Et quelqu'un doit mourir et nous allons prendre le bras de la personne. Et c'est ce bras-là qui va devenir comme la baguette magique. Donc tu vois physiquement comme un bois ou une baguette. Mais spirituellement parlant, c'est ce que les yeux spirituels peuvent voir, un bras. Le bras de quelqu'un qui est mort. Tu vois, pour pouvoir faire juste cette baguette magique, il faut tuer quelqu'un. Parce que quand le magicien voit cette baguette magique, tout ce qu'il fera avec cette baguette magique, ça va marcher quoi. Si toi tu es un mystique et qu'il arrive chez toi, il prend sa baguette magique et teste tes pouvoirs pour voir si tu as plus de puissance que lui. Si tes choses se brûlent, peut-être qu'il est plus fort que toi. C'est du de ouf. Avec ça, vous voulez que nous on aime la magie? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et voici comment les gens ont accepté les doctrines des démons. Et aujourd'hui, quand les gens parlent, et ils font quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oh, c'est de la magie! Quand une star de la musique veut que le monde vienne dans son concert, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oh, venez à mon concert, ça sera magique, c'est ça de la magie. Ça veut dire que ça sera de la sorcellerie fois deux. C'est-à-dire, de la sorcellerie d'abord, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et il vous prévient maintenant que vos âmes seront corrompues parce que oui, la magie, c'est une branche occulte. Ça vient du diable, le diable qui sera à l'honneur là-bas. C'est lui qui sera l'invité d'honneur. Ça nous fait rire. C'est un truc de ouf. Et les gens sont perdus dans ça. Vraiment, si nous ne vous disons pas ces choses, vous allez vous fatiguer, vous allez pirouetter, tourner en rond. 40 ans, non, pour avoir juste 5 ans dessus. 45 ans dans le désert. Parce que vous ne savez pas la vérité. Et les gens veulent savoir aujourd'hui la vérité. C'est pourquoi ils sont abonnés ici sur NotreBorn. Il y a deux choses encore à vous montrer. Je préfère m'arrêter là pour préparer la prochaine vidéo. Comme je l'ai dit, abonnez-vous et soyez prêts. Maintenant, si vous avez d'autres informations à nous donner, laissez en commentaire. Et dites-moi ce que vous avez vécu par rapport à tout ce que je viens de citer. Si c'est bague magique, réagissez dans la partie commentaire. Si ce sont les petites sirènes de dessins animés, expliquez-moi. Si c'est Naruto, un dessin animé autre que vous avez aimé, mais sans savoir que vous êtes en train d'animer en même temps les doctrines des démons, expliquez-moi tout en commentaire. En expliquant, en partageant votre expérience, vous faites votre auto-délivrance. Il faut vous confesser. C'est à vous de jouer. C'est parti. Mangs Reborn.